L'arrivée chez ce terrain de longue durée, moi j'ai dû passer pas tout, un peu moins de 5 ans en Nouvelle-Guinée, y compris les périodes de repos. Hein. Donc c'est au bout du monde. Et l'arrivée, parfois se fait très très vite. Et ça permet de mesurer peut-être ou d'apprécier ou de mettre le doigt sur non pas seulement les différentes conditions des différents types de terrains. En rigolant, on dit toujours, il y a des terrains où la bière est fraîche, avec le choix, il y a des terrains où la bière est simplement fraîche, il y a des terrains où il y a de la bière tiède, et puis il y a des terrains où il n'y a pas de bière. Donc tous les hangars, c'est des terrains où il n'y a pas de bière. On arrive à Port Moresby, qui est maintenant une grande ville que Godelier ne reconnaîtrait absolument pas, par les axes, par le construit. Il y a des malls, il y a des grands magasins et des hôtels là où il y avait la mer, sur le port, l'ancien port ou des trucs comme ça. Il y a des autoroutes, on reconnaîtrait absolument rien. Donc vous arrivez. Le problème, c'était les bandits, c'était les rascals, c'était les gens qui disaient oh, il y a 2 ans, quand un rascal rentrait dans ma cuisine, on gueulait dessus, il partait, alors que maintenant les gens se font tuer pour bon, c'est un vrai problème, c'est une ville dangereuse, ça veut simplement dire qu'il ne faut pas être là au mauvais moment. Il ne faut pas sortir la nuit, il faut faire attention à soi, voilà, c'est tout. Et puis après, on arrive à Goroka, qui était dans les hautes terres. Vous savez qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il n'y a pas de route entre les 2 ou 3 millions de personnes qui habitent à l'intérieur des hautes terres et puis la capitale ou la côte sud, ou la côte nord, oui, il y a une route vers la côte nord, mais la côte sud, il n'y en a pas. Alors on arrivait à une époque, je vous raconte un truc, là c'est le début des années 80, on arrivait à Goroka, le problème c'était l'arrivée de la télé. Alors, comment on va faire? On nous enverra des cassettes, on aura le programme de la veille, etc. Et puis après ça, vous arriviez dans une autre bourgade, et c'était, mais est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement un panneau solaire? Puis après ça, vous aviez chez les Barouillas, où c'était, est-ce que par hasard, on pourrait avoir une infirmerie? Est-ce que par hasard, les instituteurs pourraient venir? Alors, les Barouillas, j'en dis deux mots, parce que c'est sur les initiations que j'ai vues comme photographe et amateur en 1979, j'aurais jamais pensé que je travaillerais sur ces rituels. Mais vu que pendant 30 ans, personne d'autre a bossé dessus, je m'y suis mis. J'en parlerai plus tard. En attendant, les Barouillas, le premier contact a eu lieu en 1951. C'était un patrol officer, c'était un administrateur de brousse, qui est arrivé à pied, bien sûr, et qui s'appelait Jim Sinclair, qui est aussi un monsieur qui a écrit plus de 20 ou 25 livres sur la Nouvelle-Guinée, un historien reconnu, donc un ancien administrateur, qui disait « on ne pouvait pas penser que dans 10 ans ou 15 ans, ces gens-là voteraient. » Point. Et ça fait partie des... parce qu'il y en a qui ne se sont pas très bien comportés. Jim Sinclair était un monsieur très très bien. Pas de problème avec lui. Donc il a découvert les Barouillas en 51, avec des observations ethnographiques. Alors les observations drôles que je peux répéter, puisque les Barouillas sont d'accord, c'est « ces gens-là gueulent tout le temps ». Quelle bande de braillards ! Eh ben oui. Première nuit chez les Barouillas, c'est écrit. Photo des jardins avec les pieux qui vont à 2,90 m de haut, donc c'est pas le résultat de l'outil d'acier, puisqu'en 69, grâce à Godelier, qui a regardé de près, on sait que la mission luthérienne locale vendait encore, 800 machettes et 1000 haches, enfin, même si c'est 1200 au total, c'est phénoménal. 69, c'est quand même 18 ans après le premier contact. Hein, donc 51, ça veut dire quoi? Le premier contact vers 51, les premiers missionnaires, dont le missionnaire linguiste et la première école, arrivent en 61, 10 ans plus tard. En 61, entre-temps, les gens arrêtaient de se battre, ils ont modifié leurs initiations, non pas sous le rapport de l'homosexualité ritualisée, mais ils ont supprimé des trucs qui étaient d'une violence infinie, tels que nager dans une véritable piscine remplie d'orties. Donc ça, ils ont arrêté ce genre de truc, ou le nose bleeding qui existe encore ailleurs. On fait saigner le nez en rentrant dedans des feuilles qui sont comme du papier de verre. Ceux que j'ai connus m'ont dit « j'ai cru mourir », donc ça a été supprimé. En 61, il y a eu, c'est formidable, il y a des missionnaires américains, la femme faisait le cours en anglais et le monsieur faisait le cours, donc ils ont eu une vingtaine de petits garçons. Et quand on revoit ce que ces 20 petits garçons sont devenus,
quand on allait à l'école à 12, 13 ans, 12 ans, en 61. Avocat, infirmier, ingénieur agricole, premier master, mais lui, il était là. Premier professeur d'université. C'est fabuleux. Donc, c'est extraordinaire l'école. Hein, quand on dit. Voilà, ce que je peux dire, c'est que entre 51 et puis beaucoup plus tard, les Barouya et les Ankavé ont découvert la modernité. Ça veut dire quoi, la modernité, dans cette partie du monde? C'est l'État qui vous dit, il ne faut plus faire la guerre. Il ne faut plus vous battre. Ce n'est pas bien. On va venir chez vous régulièrement, donc merci de vouloir faire des chemins et des entretenir dans la forêt. Et veuillez creuser les toilettes et faites une maison pour le patrol officer qui, quand il viendra. Vous avez une âme, il va falloir la sauver. Voilà. Ça serait pas mal que vous alliez travailler en plantation, vous gagnerez des sous, au bout de 2 ans, vous pourrez vous rapporter une hache en métal, une machette en métal, 2 couvertures et 1 short. C'est intéressant après 2 ans de boulot, j'exagère à peine, c'est vraiment monstrueux. Et puis l'école. Alors on ne peut pas dire que l'école bouleverse les sociétés, mais elle les bouleverse incroyablement. Moi, je suis passé un patelin qui s'appelle Anda Combi, je suis passé en 78, j'y suis repassé en 90. Entre les deux, il y avait une piste d'aviation, un infirmier Barouya, qui est d'ailleurs celui qui a emmené les journalistes vers l'homme à l'âge de pierre, 20 ans plus tard, quelques années plus tard, pardon. Et il y avait 200 gamins qui ne parlaient pas anglais, mais qui chantaient en anglais l'hymne national et saluaient le drapeau. Ça, c'est un effet cliqué. Il n'y a pas de retour. Plus rien sera totalement comme avant, mais les choses vont s'en sauver. Le point important pour 51, c'est que parmi mes combats, j'ai lutté contre l'anthropologie historique de l'Océanie, laquelle prétendait, non pas qu'il faut faire de l'histoire quand on peut, on a tous fait. Derrière vous, là-bas, il y a des dizaines et des dizaines de patrol reports des années 20, des années 30, etc. Mais de dire toute anthropologie de l'Océanie est forcément historique. Alors, si vous bossez en Nouvelle-Calédonie, à Fidji ou à Hawaï, c'est sûr. Si vous travaillez chez les Barouya, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et on peut pourtant parler du temps d'avant. Parce que nos bons copains Warineux, ma fille aînée le serrait la main, donc Warineux, qui est un grand copain de Godelier aussi, c'est un monsieur qui devait avoir 85 ans en 1995. Donc il avait plus de 30 ans, 40 ans. On peut parler du temps, de tout ce qu'on a fait avant l'âge de 40 ans. Donc la guerre, le cannibalisme, les initiations, les relations, le commerce du sel. Bien sûr que ces gens-là en parlent. Bien sûr que ça vaut de l'or. Et il n'y a pas de traces historiques, il n'y a pas d'archives. Les curés ne sont pas passés, les flics ne sont pas passés, les je ne sais quoi ne sont pas passés. Les géologues, c'est les géologues qui passent partout. Il n'y a pas d'archives, il n'y a simplement pas d'archives. Mais on peut quand même faire l'anthropologie de ces gens. Donc ça, c'est 51. 61, c'est les premiers missionnaires, dont ce missionnaire linguiste qui est resté 41 ans avec son épouse, Joy Lloyd. Et puis, Godelier est arrivé en 67 et il lui a un terrible accident, il s'est cassé la jambe, mais ça c'est reparti. Et en 69, les gens ont dit qu'ils voulaient faire des initiations. Et Maurice a dessiné, comme ça qu'on sait, tous les jardins des deux vallées Barouya, 2500 personnes qui sont toutes dans les généalogies, enfin un travail inouï que plus personne ne ferait. Et ils ont fait 8 heures montées sur les premières initiations de la très grande maison cérémonielle Chimia, 2e, 3e, 4e stade. Et donc en 78, ils ont demandé qu'on revienne en 79. C'est très dur de travailler avec un documentaliste, mais Nalop n'est pas n'importe qui, donc il s'engueule. Le ton montait quand des Maurice, il est 4h du matin. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'aller les voir une fois de plus sortir de la maison cérémonielle pour aller chercher les bois de chauffe? Oui, Yann, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. L'autre revenait, il disait, c'était comme hier. C'est pas grave, ça a été filmé. Donc ces films sont une merveille absolue. Donc Godelier a fait son terrain. Laurie est venue en 74, en 75, je ne sais pas combien de mois au total, peut-être 6 mois. Moi, je suis venu en 78 et Jean-Luc était là. On cherchait, alors, parce que les gens disent, comment savez-vous qu'il n'y a pas de ménage de pierre? Parce qu'on parle avec les pédiatres, parce qu'on lit les patrol reports, c'est parce qu'on parle avec les pilotes. Donc quand un pilote missionnaire dit, au fait, j'ai vu un feu, j'ai vu une maison à tel endroit dans la forêt profonde, y a-t-il des semi-nomades? Donc Jean-Luc Laurie et moi-même sommes partis à la recherche des semi-nomades à pied en 1978 et en 1979, surtout en 78. Et Godelier avait dit, vous inquiétez, bande de vénards, ça descend tout le temps.
la dernière montagne s'arrête en vue de la mer. Enfin bon, c'est dur, c'est vraiment dur, mais ça permet, l'anthropologie avec ses pieds, ça permet de comparer. Ah bon, ils font des barrières comme ça? Mais c'est pas possible. Ah bon, ils ont des cochons? Comment on fait pour comparer? Sinon tout est normal, donc bien sûr qu'il faut comparer. Donc j'ai beaucoup, 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 beaucoup comparé dans ma vie. Donc ça c'est pour les barouillas. Enfin c'est pour les barouillas. Dont le Godelier a écrit La production des grands hommes, qui rappelle que la structure sociale première dans cette société, c'est l'opposition, enfin, c'est les rapports de genre, comme on dit aujourd'hui, ou la hiérarchie des genres. Et il a vu un système non perturbé fonctionner. Je dis ça parce qu'une fois, j'ai vu un jeune Allemand qui doit avoir 25 ans de plus, qui expliquait à Godelier que tout ce qu'il avait filmé avec Dunlop n'était que le résultat de la colonisation. C'est un propos raciste. Comment voulez-vous qu'un anthropologue puisse faire d'abord percer le nez de 30 petits gamins et puisse rassembler plusieurs centaines d'hommes et plusieurs centaines de femmes pendant 5 semaines? Non, les gens, ils vivent leur vie. Et bon, parce que les comptes. Et voilà, on a eu la chance de les voir. Mais y a, et je me sens un tout petit peu légitime, mais pas plus que ça. Mais en 2010, j'étais retourné pour étudier l'histoire des églises. C'est très marrant de faire l'histoire de l'implantation des églises. En 2010, il y avait encore 5 églises qui étaient encore en train de lutter, de dire que les objets sacrés, les hommes, on ne disait pas, mais ils disaient qu'il n'y a que les trucs donnés par Jésus, donc les esprits de la forêt, ça n'existe pas, et l'objet sacré. Donc, tout, gueuler contre ces personnages, les hommes acolymatiens décrits par Godelier, qui sont les seuls qui aient un pouvoir temporaire dans cette société. Hein. On va en parler après, tout ça, donc, parlons du bouquin qui s'appelle Guerres et festins. Je suis perdu, mais pas pour longtemps. Non, je suis perdu. Oui, non, j'étais chez les Barouillas, j'étais en 51, j'étais dans toutes les églises. Oui, malgré tout, oui, c'est ça. Merci. Lorsque je travaillais sur les églises, j'ai travaillé avec un monsieur que j'ai d'abord pris pour un instituteur en parlant anglais mieux que je ne parlerai jamais anglais. Je lui ai demandé d'où est-ce que tu viens. Il m'a dit, mais Pierre, je suis le fils de Guadamayoué. Effectivement, j'ai des photos, il est grand comme ça. Bon. Qui est adventiste du 7e jour, qui a introduit 4 moutons. Quand j'ai montré la photo, on voit les maisons Barouillas standard en forme de ruche, tout est nickel, rien n'a changé. Quoi, les barrières en bois, puis il y a 4 moutons. Bref. Il a introduit 4 moutons. Il dit, est-ce que tu peux me parler de l'histoire des églises, toi-même qui as changé 3 fois de confession? Oui, oui, de dénomination, oui, bien sûr. Mais on ne parlera pas des initiations. Très bien. Donc évidemment, une heure après, il fallait que je sache le nom de quelqu'un et le type hurle à travers les mots. Tu peux dire le nom de mon co-initié dont j'ai pas le nom de droit de dire le nom? Et ouais. Puis le soir, quand tout le monde mangeait à la maison, lui allait se cacher dans la pièce à côté, là comme dans la pièce derrière. Et je lui dis, mais tu ne crois pas aux initiations, tu crois en Dieu et tout. Mais quand même, tu dis pas le nom de tes co-initiés. Et là, il m'a répondu, tout le monde a ses contradictions. Et ça, c'est sympa. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, je demandais aux gens, parce qu'ils avaient fait en 2004 peut-être, de nouveau une grande maison cérémonielle Chimia, 273 ou 213 initiés calavés, c'est-à-dire des hommes qui allaient devenir pères ou qui étaient pères. Donc à chaque fois, à chacun, je disais, t'es né à peu près quand? Tu disais quoi ton village? C'est quoi ton clan? Combien de fois tu as changé de dénomination? Est-ce que t'es allé à l'école? Et quand est-ce qu'on t'a percé le nez? Pierre, tu m'as percé le nez. On fait partie du schéma, on fait partie du truc, même si je suis dans le champ. Ce que je voulais dire là, c'est que les dernières initiations Barouillard, à ma connaissance, ont eu lieu en décembre 2013. Elles ont duré 2 jours, on n'a pas percé le nez. Mais on a donné du sel Barouillard, qui quand même est une façon de tuer les gens si on en donne trop. Donc entre 1951 et 2013, ça prouve que cette institution est centrale et qu'elle est lourde et qu'elle fonctionnait bien. On sait comment elle s'est transformée dans le livre que je fais. Sur cette MUCA, premier stade des initiations Barouillas, je prends évidemment en compte qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce qui ne se transforme pas. Et pas. Les Encavés, par contraste, sont donc à 5 jours de marche de là. Les Barouillas, c'est 2500 Barouillas, et sur 7 ou 8 000 locuteurs aujourd'hui, avec les groupes ennemis tout autour. Et les Encavés, c'était, quand on est arrivé, 750 ou 800 personnes, il doit y avoir 1200 aujourd'hui, dans 3 vallées, une vallée où il y a 50 personnes dites à l'âge de pierre. Une vallée où il y avait un missionnaire américain entre 1980 et 1992, qui est parti à jamais, mais qui nous a laissé une grammaire et un vocabulaire. Et là, il doit y avoir 700 ou 800 personnes. Et la vallée dans laquelle on travaille, à chaque fois c'est un jour de marche, la vallée dans laquelle on travaille,
que l'on atteint à pied en partant de Meniamia. Donc c'est une journée de marche de Meniamia. Et puis ensuite de ça, ça descend à la verticale pendant une journée. Mais on arrive quand même Patna qui s'appelle Ikundi. C'est des gens, il y a 95% de forêt et 5% de savane. Donc chez les Barouillas, ça doit être... ça dépend ce qu'on mesure. Si on regarde la vallée, sur les Barouillas, il doit y avoir maintenant 50 ou 60% de savane. Mais si on vole entre Guadenara et Marahuaca, il y a des centaines, des dizaines de milliers d'hectares de pure forêt. Mais enfin, les Ankavés sont des gens qui vivent isolés, semi-nomades, qui ne veut rien dire. Ça veut dire qu'ils se rassemblent dans des hameaux, pas très souvent. Quand il y a quelque chose à faire, du genre initiation, mais ils n'en font plus, du genre cérémonie mortuaire, ou quand un infirmier vient vacciner les enfants une fois tous les je ne sais combien, là les gens se rassemblaient, mais quand on arrivait à pied, les gens étaient là. Du jour où on a emmené nos filles sur le terrain, donc à partir de 1990, et qu'on s'est posé par surprise en hélicoptère, il n'y avait personne dans le village. Hein. Et même quand on est là, bon, même maintenant, les gens, même quand on était là pendant 9 mois, avec par coup de 3 mois, par contre en sortant à pied et en revenant après, même quand on était là par coup de 3 mois, il y a des jours et des jours, on était tout seul. Enfin, il y avait 3 personnes qui bossaient avec nous, où on faisait des généalogies, où on racontait des mythes, où on était en train de suivre quelqu'un dans la forêt. Le hameau était de facto vide. Les gens, ils vivent. Ça peut être 20 minutes. 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures à pied, c'est un grand maximum. Mais ils vivent dans la forêt. C'est fondamentalement un peuple de la forêt. C'est donc des gens qui ne coopèrent jamais, je l'ai dit tout à l'heure, et ça, c'est immense comme contradiction. Qui ont un bride wealth, qui ont un usage des monnaies, hein, on donne un demi-cochon et certaines coquillages qui payent pour qui compensent les maternelles de la jeune fille qui va être épousée pour l'avoir élevée. Rachel et Barouya, c'est vraiment une femme pour une femme. Jusqu'à un certain point, je dirais 2 mois après, il y a quand même des richesses à la marge de l'échange des sœurs, et ça c'est un point pas inintéressant. Tous ces gens-là, bien sûr, cultivent des patates douces et des taros, élèvent des cochons qu'il faut nourrir, des cochons qui foutent les jardins en l'air. Et donc, quand il y a c'est important chez les Barouillas, puisque un des piliers de la société, c'est la coopération entre les co-initiés et entre les beaux-frères, jusqu'à aujourd'hui. Alors que là où il n'y a plus d'initiation, il n'y a plus d'échange des sœurs, comme chez les Sambia, il n'y a plus de coopération dans les jardins, et on ne fabrique plus les maisons ensemble. Chez les Barouillas, en 2010, ça marchait, en 2013, 2014, ça fonctionnait encore. Donc ces gens coopèrent pour construire des maisons, pour faire des grands jardins collectifs, ils font des barrières qui résistent aux cochons. Chez les Ankavés, quand on commence à faire une barrière, le type, nombre de fois, les gens m'ont dit « je ne l'ai pas terminé », c'est simplement pour dire « là aussi, je suis chez moi ». C'est ça que ça veut dire. « Là aussi, je suis chez moi ». Et le jardin, « oh, les cochons, tout foutu en l'air ». Aucune importance. Je n'étais pas venu bosser pour protéger mes patates douces, mes taros, mes cannes à sucre et mes je ne sais quoi. J'étais venu travailler pour dire « je suis ici, je suis ici chez moi ». Donc en 87, on a commencé ce travail. Un point important, c'est qu'on fait des monographies. Moi, on m'a appris à faire des monographies. M. Descola fait des monographies, Christine Taylor fait des monographies, Godelier fait des monographies. Nous, on nous a appris à faire des monographies. Donc on fait des monographies pour l'excellente raison qu'on ne sait pas où ça va boucler. Alors il y a des gens qui hurleront, non pas qui hurleraient, mais qui hurleront en entendant ce que je dis. On ne sait pas où ça va boucler. Une société, comme le dit Godelier, qui vient encore de réécrire un petit livre, là, pas derrière, on fera le prendre, qui s'appelle les universaux des sociétés, au fondement, ça synthétise au fondement des sociétés humaines. Partout sur Terre, les gens ont une façon d'organiser les rapports entre les hommes et les femmes, le pouvoir, l'accès à la terre, ils peuplent l'invisible, ils s'occupent des morts, ils se marient pas n'importe comment, ils attribuent les enfants. Et tout ça, dans notre optique à nous, c'est... Ça forme quand même un système. Alors il y a des gens qui disent « Comment, il y a du tout, tout est en flux, mais tout est en flux, ça va être quand même peut-être assez stable pour que vous puissiez l'étudier en un an. Enfin bon, si ça change sous vos yeux, vous avez encore plus de chances. » On ne sait jamais où ça va boucler. Moi, je ne pouvais pas savoir que c'est en voyant un piège à anguille que j'aurais le déclic qui me permettrait, au lieu de faire pendant 20 ans de l'anthropologie standard de la Nouvelle-Guinée, pendant 20 ans d'anthropologie des techniques standard, que je ne pourrais pas faire le lien, je ne pouvais pas le deviner, je ne pouvais pas savoir où ce serait. Donc fait des monographies. Donc, on a décrit des jardins,
Tu me vois là? Non. Je suis derrière le bananier. Ouais, lequel? Oh là 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 là, avec un double décamètre, une boussole et tout ça, des ciné-plans de jardin, ciné-plans de village, qui pour moi est encore ce qu'il y a de plus. Vraiment, c'est infernal. Les fins de village, les inventaires des maisons, qui habite où, qui fait quoi, les généalogies systématiques jusqu'à ce que ça s'arrête. Hein? Et cette dame-là, en fait, on est vers 1870, et cette dame-là, elle s'est mariée? Oui. Bon. Et c'était une quoi? Je peux pas te dire son nom, je peux te dire le clan de son père. D'accord. Elle avait des frères, oui. Ah, c'est barré pour deux jours. Elle avait des frères qui sont mariés. C'est absolument infernal. Je crois que je suis un des plus grands dessinateurs. Enfin, je suis un vrai dessinateur de généalogie. J'ai plus jamais travaillé dessus. Pascal a bossé dessus. Elle en a travaillé. Elle a travaillé beaucoup dessus. Elle a fait des frères, je ne sais pas combien de mariages, 90 ou 120, je ne sais plus. Enfin bon, ça a fait ça systématiquement. Décrit les techniques, ça m'intéressait déjà quasiment plus. Mais j'ai quand même regardé le piège à anguille, j'ai pas tort. Et j'ai vu décrit les maisons qui se transforment. Non, qui ne se transformaient pas d'ailleurs. Enfin, il y a un type de maison à double paroi, à cause du froid, paraît-il. Mais c'est surtout pour pouvoir se barrer quand l'ennemi arrivait le matin. Alors, tous ces gens-là sont des guerriers, hein, j'ai oublié. On va en parler au moment des initiations. Parce qu'elle a travaillé sur les mariages. J'ai fait raconter les rituels, raconter les rituels, raconter les rituels. Et puis un jour, on a vu les rituels. On a vu en 94. C'est-à-dire 12 ans après mon premier passage, on a vu les initiations masculines et les rites de mort, le grand Shongin, le rituel qui chasse les esprits des morts récents, on l'a vu fin 87. Mais c'est surtout les initiations moi, qui ont changé ma vie, puisque je travaille encore dessus tous les jours, dimanche compris, parce que je voudrais que ça avance un peu. Et bah, sinon, étudier la cuisine, hein, parmi les trucs non publiés, quoi cuit dans quoi, et ça, pourquoi, c'est pour dans les mêmes épinards, mais c'est pas le même type de bambou, machin, à l'étouffer, dans un four polynésien, directement dans la cendre, tout ça, fait tout, quoi. Enregistrer les chants, qui sont, paraît-il, pas dans la langue, c'est infernal. Et là, ils disent quoi? Oh, bah, ils ont dit ça. Ça rappelle un peu les couteaux des monstres qui découpent. Alors ils doivent dire que des cannibales sont assemblés au bord de l'eau. D'accord, merci beaucoup. Enfin, bon. Alors là, on est tranquille, parce que pour le dire que dans le rituel, les gens chantent parfois des choses qui sont difficiles à traduire, ça va. Mais là, j'y suis jamais arrivé. J'ai essayé je ne sais combien de fois. C'est clairement pas la bonne langue. C'est pas la même langue, quoi. Donc là, on n'en arrivait pas. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose parmi toutes ces descriptions qu'on a faites. On est bien sûr, on s'est promené dans la forêt encore et toujours. Si en se promenant dans la forêt, cet arbre-là, il s'appelle comme ci, comme ça. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire machin était là-haut, il s'est fait mal aux mains. Et pourquoi il est mal aux mains? Ah, ben les ennemis passaient, donc il a eu tellement la trouille, il est monté, mais alors, il a eu longtemps mal aux mains. Hein. Bon, d'accord, et ça? Ah, ben là, c'est le mec qui avait pourri dans une fourche d'arbre. Pourquoi? Mais il n'a pas su redescendre. D'accord. Donc ça, c'est. Évidemment, il faut se promener avec les gens, il faut aller voir tes quatre coins du territoire. Hein. C'est comme ça que moi, en 85, je suis allé dans un patelin qui s'appelle Cindé, à pied. Mon collègue Yatra Mimika y était passé en 79, je ne sais, parce qu'on devait se rencontrer, mais on était à des kilomètres les uns des autres. Nous, on est allé à la mer comme ça, et lui, il est allé chez Cindé comme ça. C'est important, parce que c'est là qu'il y a eu les hommes à l'âge de pierre après. Et on est repassé en 85, avec 87, avec Pascal, qui a eu la bonne idée de faire une crise de malaria, de falciparum, au plus loin de tout. Au plus loin de tout. Nous, on avait mis 3 jours, on aurait pu y arriver en 2 jours, plus 2 jours pour ressortir d'un haut. Et puis de toute façon, les encavés sont donc un contrefort ouest d'un diverticule de la cordillère centrale est-ouest, donc ça file vers le sud, et là ça va vers l'ouest. Ça tombe vers le golfe de Papouasie. Mais ça tombe quand on marche de l'autre, quand on ressort de chez les encavés de la vallée de la Chouï pour aller à Meniamia, où le premier blanc est passé en 1938, est reparti avec une flèche dans le ventre, l'autre flèche dans la cuisse, est revenu en 1950. Donc il y a donc un poste de patrouille, il y a même une route qui arrive là-bas depuis 1980. Je veux dire, pour aller de Koundi, où on a fait le plus gros de notre terrain, à Meniamia, c'est 10 heures de marche, ou 9 heures de marche, jusqu'à un endroit en vue du sommet où on dort, et le lendemain matin, pendant une heure, c'est les mains comme ça, la verticale. Ce que je veux dire, c'est que avec un enfant malade ou avec une fille cassée,
on monte pas, c'est simplement ça. Donc là, c'est pour les gens. Alors une des caractéristiques des encavés aussi, c'est que dès qu'on est arrivé, j'ai vu un vieux monsieur, qui s'appelle Wangouye Pache, qui, avec sa machette, creusait la terre, mettait de la terre sur une cape d'écorce, et tirait la cape d'écorce et allait jeter la terre un peu plus loin. Et tout de suite, les gens m'ont dit, faut que tu nous aides à faire une piste. Alors moi, j'ai fait mon premier rapport, c'est important, parce que ça veut dire que c'est... On a été essentiel dans l'arrivée de la modernité. On a été essentiel dans le retard de la modernité. Dans le retard de la modernité, quand il arrivait les New Tribes, qui arrivent par deux familles, deux couples avec des enfants, et les New Tribes faisaient savoir aux encavés de la Chouï, ils leur disaient, mais est-ce que vous voulez des ethno, est-ce que vous voulez qu'on s'installe chez vous? Et ils répondaient toujours, merci beaucoup, on a déjà Pierre et Pascal. Donc si les gens ont appris à lire beaucoup plus tard, on y est pour quelque chose. Parce que les gens, ils avaient déjà Pierre et Pascal. Et nous, on fait des tas de trucs, mais on n'apprend pas à lire aux gens. Et tout de suite, ils nous ont demandé de faire une piste d'aviation. On est traités comme des chiens et des porcs. À côté, il y a un infirmier. Chez nous, il n'y en a pas. Bon, je ne sais pas où on en est pour le temps. Il reste 4 minutes. Et je peux continuer ou ça va t'embêter? On peut s'arrêter et reprendre. Non, 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 mais ça va très bien, ça. Donc, dès le début, ces gens se sont rendus compte qu'ils n'auraient jamais d'instituteur, ils n'auraient jamais d'infirmier. Parce qu'un instituteur et un infirmier en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça touche sa paye tous les 15 jours, ça va la chercher, ça la boit ou ça la boit pas, mais le temps de revenir, ces gens ne sont jamais à leur poste. Et là, c'est pas dire du mal de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais l'effondrement des services ruraux est phénoménal, les gens claquent comme on n'est jamais mort, comme on a un point absolument phénoménal. Moi, je disais toujours, mais chez les Barouillas, les enfants ne meurent pas, ou peu, alors que chez les encavés, il y en a 1 sur 3, voire même 2 sur 5, qui n'atteignent pas l'âge de 1 an. En France, c'était 200 pour 1000 en 1820. Qu'est-ce que je viens de dire là? Oui, c'est ça. On est à 350 pour 1000, on est à 400 pour 1000. Et je disais ça à une collègue, Sylvie Malbranc, qui a travaillé chez les Barouillas dans les années 2013 et 2014. Je lui disais, mais Pierre, détrompe-toi. J'ai 3 maisons autour de moi, il y a eu 3 bébés qui sont morts dans l'année. Donc même chez les Barouillas, où il y avait une infirmerie montée par le gouvernement et montée par le Rotary australien, même chez les Barouillas, les enfants meurent. Hein, je veux dire, bon. Donc ces gens-là, l'idée, mais les gens, les instituteurs ne prennent pas leur poste, ils ne vont pas au boulot, l'infirmier n'est jamais là, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de pansement. Même l'hôpital principal de Port-Moresby peut fermer puisqu'il n'y a plus de pansement. Enfin, c'est une corruption de la tête au plafond, tout le monde le sait, il s'est connu comme tel. Donc là, il fallait les désenclaver. D'une certaine façon, c'était leur demande absolue. C'est pourquoi, dès 1987, j'ai fait mes premiers rapports à la province et à l'Institut de recherche médicale, disant la situation sanitaire de ces gens est misérable. Il y a du paludisme maison endémique, ça veut dire qu'on le chope régulièrement, mais pas assez pour développer des résistances. Donc les gens font du paludisme, donc ils ont une grosse rate. Ils ont qui fait qu'ils ont moins de défense. Je ne suis pas médecin, mais c'est comme ça que ça marche. Tout le monde a des ulcères tropicaux. Un ulcère tropical, c'est un simple petit bobo qui s'est un peu infecté. Et le bobo qui s'est infecté va donner un ulcère tropical qui empêche simplement le monsieur d'aller se promener dans la forêt, la dame d'aller travailler dans son jardin. Puis si ça se fout dans l'os, elle va avoir un os infecté, et puis ça peut tourner en septicémie. Enfin, il y a des gens qu'on a soignés, que Pascal a soigné pendant 9 mois pour arriver à sauver un os. Enfin, le tibia qui avait doublé de volume sur 8 cm de long. Donc c'est pour ça qu'il a fallu se battre, j'en dirai 2 mots plus tard, pour que ces gens aient une piste d'aviation. Mais maintenant qu'ils ont une piste d'aviation et que les initiations ont disparu, moi ça m'attriste tellement. Enfin, c'est pas que ça m'attriste, mais j'ai simplement pas envie de travailler sur la modernité. Pour diverses raisons. Enfin bon, parce que c'est surtout. C'est fondamentalement infiniment triste. Mais bon, il y a d'autres raisons.